poètes, des chanteurs, des chanteuses, une scène, des décors, des costumes. Bref, c'est une grosse machine. Bravo, on continue. De quel opéra est tiré l'air que nous avons chanté en italien, Rapensiero, et qui l'a écrit? Le titre de l'opéra, c'est Nabucco, et c'est M. Giuseppe Verdi qui l'a écrit. Bon, à moi de vous poser une question. Quel est le métier de Papageno? Plombier, conducteur de bus ou oiseleur? Oiseleur, un drôle de métier qui consiste à attraper des oiseaux et à leur apprendre des mélodies. Wunderschön! Tout cela m'a fatigué. Heureusement, on vous propose un retour au calme avec le touchant hymne à la nuit. Thank you.
écrit de magnifiques chansons avec de très beaux textes. La valse à Milton, les bourgeois, les vieux, des monuments. Celle qu'on va vous chanter, c'est Ne me quitte pas. Elle est si belle et inspirante qu'elle a été reprise par des dizaines d'artistes après Brel. Nous, la version qu'on va chanter, c'est celle d'un autre monsieur, Yuri Buenaventura. Attention, rythme latino quand tu nous tiens. C'est parti pour une salsa à la sauce belge. Mayonnaise. Ketchup. Moutarde. Bon, allez, retournons chanter. Thank you.
s'éloigner de ce qu'il connaît. Se décourager parfois, chanter dans une langue étrangère. Répéter encore, trouver sa chanson préférée du concert, aider sa voisine à mémoriser les gestes. Et enfin, partager ce moment précieux avec d'autres écoliers et écolières, ce magnifique orchestre et un public qui nous aime. Et c'est pas fini. Un peu d'anglais maintenant avec Shallow, la chanson mythique de Lady Gaga et Bradley Cooper. The Star are born in Newcastle. Thank you.
de M. Nougaro, inspiré d'un négro spirituel de la très belle chanson Armstrong, en hommage à Louis Armstrong, trompettiste de jazz exceptionnel. Et juste avant, on aimerait vous remercier, cher public, de nous avoir accompagnés durant ce voyage. Merci aussi à Victorin et son merveilleux orchestre. Quelle chance de poser nos voix sur vos merveilleuses harmonies. Et surtout, merci à nos enseignants et enseignantes pour toute la belle énergie déployée pendant des mois pour ce concert. On s'en souviendra longtemps de cette aventure.